Si t'as du courage, rendez-vous à midi dans la grande rue pour un duel en face à face, ok, Jamie? Ok. Alors, vous êtes prêts vous aussi parce que c'est bang le duel, ça va tirer sévère dans les chaumières. Protégez-vous, restez au bar, le jeu d'Emilio Sciarra est illustré par Rossana Berretta. Celui-ci est la version 2 joueurs, donc ça ne se joue forcément qu'à 2 à partir de 8 ah bon ans. Oui, parce que c'est 2 joueurs, le duel, un duel quoi, tu vois. Un duel. T'as jamais fait un duel à toi, toi? Non, jamais. Je vais poser la boîte de bang, le duel qui est édité en français par Asmodée. Pour se concentrer sur notre partie, il y a la petite vidéo avec les explications si vous voulez voir un petit peu de quoi il retourne. Juste avant. Juste avant. Enfin, ça dépend par quel endroit vous êtes arrivé de tric-trac. Peut-être pas en haut. Peut-être pas en bas. C'est exact. Enfin, à côté, peut-être si c'est sur l'autre page. Sur l'autre page. Alors, du coup, on va garder les règles parce qu'il y a quelques cartes avec des effets particuliers en cas de besoin. Ça marche. Je les ai ici. On a choisi 4 personnes. On a tiré au sort 4 personnages. Donc, pas besoin des autres. Voilà. On les a mis ici. Tu as choisi ou pas d'ailleurs ton personnage actif, tiré au hasard. On a nos deux autres personnages qui sont en réserve. Nos points de vie. Fait. Je commence par piocher 4 cartes puisque je joue en premier, tu en pioches 5. Et bang, le duel démarre maintenant. Alors, première phase de tour, comme d'habitude. Je pioche 2 cartes. Et du coup, je peux ensuite en jouer. Alors, celle-là, j'aimerais bien, mais pas tout de suite. Ok. Eh bien alors, tiens, ça commence. Je vais pouvoir te montrer un petit peu les petites différences. Hop, je joue un Derringer. D'accord? D'accord. Donc, le Derringer, pouf, il a un effet bang, mais ce n'est pas une carte rouge. D'accord? D'accord. Par contre, comme c'est un tout petit pistolet, tu peux jouer n'importe quelle carte de ta main que tu jettes, c'est un raté. Ben écoute, je vais jeter un magasin. Ah, vas-y, tu le mets dans la défausse, enfin, puisqu'elle devient commune. Commune ouais. Voilà. Donc, le magasin, poum, je t'ai raté. Ok. Est-ce que je change de personnage actif, puisqu'on a un personnage actif et un personnage en réserve? Je vais garder Alan Pinkerton. À chaque fois que je perds un point de vie, ton personnage est la cible d'un bang. Oh. Voilà, donc pendant les dents. Ouf. Et puis, comme c'est mon personnage actif, eh ben en fait, c'est le gardien de la banque. Mmh. Donc, pendant la phase de pioche, je pioche une carte supplémentaire. Oh, okay. Mais il est avec Alan Pinkerton. Si je change de personnage actif, ça devient plus jouable. Okay, puisqu'il n'y a que le personnage actif qui a ses compétences. Très bien. Une carte, veut dire pouf pouf, ça, je ne peux pas la jouer. Allez, je joue un indien. Donc, pour chaque personnage, sauf votre personnage actif, le mien, le propriétaire choisit soit de défausser une carte bang ou de perdre un point de vie. Eh bien. Eh bien, je n'ai pas de carte bang, donc Buffalo Bill. Pff, hop, là, je vais défausser une carte pour elle, mais lui, il va malheureusement perdre un point de vie. Donc, il va dans la réserve, tant ah, pis oui, pour vrai. Le Schofield. Et puis, j'ai 4 points de vie, j'ai 3 cartes en main, je m'arrête, à toi de jouer. Ok, donc je pioche 2. Tu pioches 2. Hop là. Donc. Oui, alors forcément, ça, c'est les premières parties de Bang. Pour ceux qui ne connaissent pas la collection Bang, c'est la découverte des cartes, puisque chaque carte a sa ah, c'est là, y a... Oh, une fois qu'on a fait le tour des 10 cartes différentes, il y a un peu plus que ça, hein, on s'y retrouve assez facilement. Bon. J'aime pas dire tu des bêtises. Toi, tu es le gardien de la banque, mais moi, je vais quand même faire un braquage. Tu vas braquer la banque. Donc, je te pioche une carte dans ta main. Ouais. Et je te fais défausser une de tes cartes en jeu. Ou défausser une de ces cartes en jeu. Bah, je vais te défausser une carte, je pense. Tu défausses la banque? Parce que je ne vais pas te laisser piocher plein de cartes comme ça. Ok. Sinon, je vais aussi jouer à une poignard. Alors, ce n'est pas une carte bang. Est-ce que je l'évite ou pas? Eh ben non. Donc, Alan Pinkerton perd un point de vie. Okay. Et donc, Sundance Kid est manqué. Ok, d'accord. Donc, tu t'es pris un bang, mais voilà. Tu as esquivé. Ça roule. Et puis, pour finir, allez, je vais jouer une dynamite sur le Sundance Kid. Ah, une des cartes, je vais vous la mettre juste là, la dynamite, une des cartes emblématiques du jeu. Alors, dans le jeu, je le dis pour Jamie, je le dis pour ceux qui ne connaissent pas Bang, c'est une carte qui tourne. Ouais, c'est puis ça. À chaque fois, on pioche et tout d'un coup, pff, elle explose et elle fait très mal. Donc là, tu la joues sur ton personnage ça, ouais. En réserve. D'accord. Et tu révèles, si tu chopes une carte, donc révéler, c'est piocher une carte de sa pioche. Si c'est une dynamite, pff, elle explose, 3 points de vie, ça fait très mal. Exact. Sinon, tu donnes la carte au personnage en réserve de l'adversaire et elle se passe, et elle se passe, et elle se passe. Donc, pour l'instant, c'est Pearl Hat
qui l'a. Et puis, je vais faire la compétence spéciale du Sundance Kid. Donc, une fois par tour, vous pouvez défausser une carte de votre main pour piocher deux cartes. Je vais défausser la gourde pour piocher deux cartes. D'accord. Et j'en choisis une et je défausse l'autre. Hop, à toi. Ok, donc tu as une carte en main. C'est ça. Bon, je vais piocher deux. Je vais piocher deux. J'étais en train de me demander si ton poignard de tout à l'heure, voilà, c'est pas une carte banque, j'ai bien fait de vérifier, donc j'avais pas le droit de jouer une carte. Ah si, je pouvais jouer une carte manquée. Si. Ah ouais, j'aurais pu jouer une carte manquée, je suis un petit peu bête. C'est pas grave. Allez, je ne change pas de personnage, je te colle un coup de Peacemaker. Si tu l'évites, tu dois perdre une carte de ta main. Si, là, votre adversaire doit se faire une carte de sang. Non, donc, je peux pas. Tu peux pas. Poum. Ok, donc il n'est plus qu'à 2 points de vie, mais j'ai joué ma carte bang. Je vais te faire un petit coup de foudre sur ta Pearl Hat. D'accord. Ce qui fait que tu me diras, c'est con de récupérer la dynamite. Ouais, c'est sûr. Ça ne me dérange pas, hein, ouais, honnêtement. Mais d'un autre côté, ça éviterait. Moi, je vais la piocher tout de suite et tu la récupères après. Ouais, je vais faire ça. Ok. Ah non, sauf sur le personnage de réserve. Ah, j'ai pas le droit, c'est vrai. Et puis j'ai que 3 cartes. Ça me dérange pas que tu me piques la dynamite, hein, ça. Ouais, mais c'est ton personnage de réserve, je peux pas. Je vais être obligé de défausser. Ouais, je vais défausser mon coup de foudre et puis aller, c'est à toi. Je change. Ça marche. Pas de personnage. Ok. Bon, je pioche 2 cartes. Ouais. Tu ne m'auras pas, Rascal. Je vais me. Alors, c'est des noms connus hein, pour les personnages, Buffalo Bell, mais ils ont changé des trucs pour pas peut-être avoir un problème de droit, je sais pas, ou alors c'est juste pour faire sourire. Donc là, tu me balances un Colt ou c'est juste là, pour rire? Là, je balance une carte pour faire la compétence spéciale du Sundance Kid, donc je tire deux. Je défausse une, je tire deux, j'en défausse une autre. D'accord. Voilà. Et sinon, bah écoute, le Sundance Kid va jouer une. Ah, t'es toujours sur lui, là. Ouais, je suis toujours sur Alan Pinkerton. Pour l'instant, c'est Alan contre Sundance Kid. Ouais, c'est ça. Ah, pardon, j'ai oublié de révéler ça. Donc, une fois pour Dynamite, donc c'est au début de votre tour, révéler. Ouais. Je révèle. Bon, tu révèles. Si c'est Dynamite. C'est pas Dynamite. C'est pas Dynamite. Et ça, ça part à la défausse. Ça va à la défausse. Okay. Et du coup, ça va sur le personnage de réserve chez moi. Tiens, patate chaud. D'ailleurs, on est censé les mettre au-dessus pour montrer que c'est un effet permanent. Mais bon, c'est okay. Des petits avantages de cartes. On les met là. Où... Bon, ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais… Non. Je vais tirer au Schofield. Bon. Alors, si je l'esquive… Ton personnage actif regagne un point de vie. Donc, je ne vais pas l'esquiver. Donc, je prends. Okay. Et donc, du coup, tu le manques. Mais tu n'as plus de carte en main. Ah si, tu en as plus qu'une. Et là, je vais changer de personnage. Pourquoi tu regagnes un point de vie? Parce que le pistolet… Ah non, c'est vrai que tu ne l'as pas. Pardon, c'est seulement si tu esquives. Ok. Donc, il est chiant, lui, quand même. Ah, il est pénible. Alan Pinkerton, wow, il est pénible. Hein. Et puis, je vais changer de personnage. Ok, tu passes chez Pearl Hat. Bien, ma dynamite. Alors, 1, 2, 3, je révèle. Il faut pas que ce soit dynamite en haut à droite. Yes! Ah, dynamite! Boom! J'y crois pas! Bon, ben, Buffalo Bell explose. Voilà. Donc, je perds 3 points de vie. Exactement ce qu'il fallait. Le personnage meurt. La dynamite a explosé. Quand un personnage meurt, pour compenser, je pioche 2 cartes. D'accord. D'accord. Okay. Ensuite, je prends le prochain de la réserve. C'est Django. Il a 3 points de vie uniquement. Déchaîné ou pas? Ouais. À chaque fois que votre adversaire déplace son jeton personnage actif, je pioche une carte. Oh, donc, ça. Il va pas falloir que tu bouges trop. Ok. Tu n'en as toujours pas. Pearl Hat, est-ce qu'elle se prend un petit coup? Oui. Non, pas tout de suite. Attends, je vais déjà jouer une diligence. Je pioche 3 cartes et j'en garde 2. Ok. La Wells Fargo passe toujours, monsieur. La Wells Fargo passe toujours. Ça, c'est bon. Ça, c'est bien. Et ça, c'est naze. Donc, je défausse le coup de foudre puisque tu joues est-ce pas. Est-ce que son compétence, je peux l'utiliser pendant ton tour aussi? Non. C'est actif au moment où elle l'est. Ok, d'accord. D'ailleurs,
la compétence du personnage en réserve, en dehors du moment où il se fait tirer dessus, elle n'est pas active. D'accord, mais elle est personnage actif maintenant. Voilà, oui, mais après, c'est à ton tour. D'accord. Sauf s'il y a marqué à chaque fois que pendant votre tour ou le tour adverse, enfin, okay, c'est oui, précisé sûr, si oui. C'est le cas. Ça marche. Alors, quand c'est une fois par tour, c'est forcément votre tour. Oui. Ok. Alors, je vais te faire une petite… Je vais jouer une carte équipement, donc okay. Sur Alan Pinkerton. Je vais être obligé de la mettre là pour que les internotateurs et internotatrices le voient. Charge de bison. D'accord. Ok. Donc, au début de votre tour, de mon tour, vos personnages changent de place, donc changement de PA. D'accord. Mais je peux l'utiliser comme effet recharge pour piocher une carte. Ok. C'est ce que je vais faire. Ça marche. Ah oui, mais non, il faudrait que je rende… Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Et je vais ensuite tirer un coup dessus. Je ne l'avais pas encore fait, avec un fusil à bison. Donc, si tu l'esquives, je peux changer de place. Bah, je ne l'esquive pas. Donc, tu prends. Aïe. Ça, c'est déjà pas mal. Bang. Et puis, je vais garder mon Alan Pinkerton parce que pour l'instant, il est bien. Je vais lui jouer une… Non, je ne peux pas lui jouer une gourde. J'aurais bien voulu gagner un point de vie. Je suis obligé de me défausser puisque j'ai plus que deux cartes en main. Je vais garder ça. Et ça, et je jette ça. À toi. Ah, okay. Punaise, c'est raide quand même, ces histoires de points de vie. C'est comme dans le jeu de base, à chaque fois que tu commences à être blessé, ça commence à faire mal. Oui, alors donc je comptais le nombre de cartes qu'il y avait dans le jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ah oui, quand même. Il y a un peu plus d'une trentaine de cartes différentes. Bon, je vais commencer avec une bang. Si tu esquives, je pioche une carte. Je n'esquive pas, donc j'encaisse et tu perds un point de vie. Et tu as des manqués. Ça commence à me gonfler cette histoire parce que je suis en train de crever à petit feu là. Et puis, je vais utiliser le pouvoir du Sundance Kid que je peux parce qu'il est permanent, c'est ça? Oui. Donc, hop, je défausse un, j'en pioche deux. Et t'en gardes une. Et j'en garde une. Voilà. Ok. C'est à mon tour. Je pioche deux cartes. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est très, très bien. Ça, c'est un petit peu nul. Je vais jouer un Colt sur Pearl Hat. Voilà. Manqué. Elle, ça m'énerve. Ça m'énerve. Alors, je n'ai plus qu'un point de vie. Mm-hmm. Hein, je vais te dire la petite règle particulière de l'ultime point de vie restant. Ah. Oui. Quand on perd son pas les règles, hein. Quand on perd son dernier point de vie, c'est à mes dépens. Quand on perd son dernier point de vie, on meurt, donc la capacité ne s'active plus. D'accord. Voilà. Ça allait être une de mes questions. Voilà. Mais… Donc, ce n'est plus le cas. Le dernier point de vie, il est ultime. Ok. T'as fini. Oui. C'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. Alors, je vais changer. Et c'est à toi de jouer. Alors… Eh bien, écoute, il va falloir que je boive un peu de bière pour regagner des points de vie. Je vais jouer une braquage. Donc, je vais une carte dans la main de votre adversaire ou défausser une carte. Oh, purée. Il ne faut pas que tu pioches celle que je ne veux pas. Il y en a une qui est terrible, s'il te plaît. Une qui est terrible, c'est celui-là, je parie. Oh, c'est celle-là, c'est pas… c'est pas celle-là qu'il fallait que tu pioches. Et c'est quoi son compétence à chaque fois? Si tu déplaces ça, je pioche une carte. Oui, c'est ça. Eh bien, écoute, on va lui jouer un petit Colt. Allez. Rappelons qu'il y a 12 personnages différents, donc forcément, eh ben manqué. Dommage. C'est bon ? À toi. Ok, 1 et 2. Purée, il m'a piqué une carte. Ah, bah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Je vais planquer Django. Ah, Donc maintenant, à chaque fois que je suis la cible de ce symbole, je pioche une carte. Si c'est tonneau, ça correspond à manquer. Ah, okay. Je suis caché derrière le tonneau. Et puis ensuite, je te tire dessus sur Pearl Hat. C'est quoi ça? Autant que l'équipement possédé par le personnage. Si tu avais 3 ou 4 équipements, tu t'en prendrais 3 d'un coup, une grosse rafale. On va tester le riposte alors. Bah oui, riposte. C'est l'esquive et tu deviens la cible, mais tu peux l'esquiver avec ton machin. C'est ça. Et donc, je pioche. C'est pas un tonneau, donc je suis censé le prendre. Donc, je le prends. Moins un point de vie, c'est cool.
Je vais jouer une gourde pour recharger. Tu n'as plus de carte en main? Super, donc je te couds un petit coup de Derringer. Ok. Boom. Et j'ai plus de carte en main, c'est à toi. Bah, heureusement que je suis planqué quand même. Hein. Ça commence à sentir pas bon. Bon, un petit Colt. Un petit Colt. Dis donc, j'ai plus de carte en main. Pim. Voilà. Ah, mais tu peux revaler pour le. Ah oui, c'est vrai, je suis planqué derrière le tonneau. Eh ben, pas tonneau. Ok. Et un petit coup de dague. Mais. Bon, ok, le tonneau. Pas le tonneau. Ah, ah, mais c'est naze ce tonneau. Mais c'est pas possible, je suis en train de crever. C'est pas possible. C'est mon dernier personnage, t'en ai pas éliminé un. Ah, j'ai l'homme sans nom. Ah. Ben, il a un petit air quand même de quelqu'un que je connais, mais bon. C'est Chuck Norris? Non. Non, 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 il est devenu réalisateur depuis. J'ai perdu mon bonhomme, donc je pioche deux cartes. Non, c'est pas Node. T'as fini de jouer. Bon, à moi. T'as plus de cartes. Celle-là, par contre, où il y a peut-être un coup à jouer. Eh bien oui, tu vas forcément t'en prendre un coup. Pom. Ok. Coup de carabine. Ben, dégage, quand même. Enfin, là. Allez, puis, me dis pas que tu as beaucoup de points de vie. Taco Ramirez. C'est quoi son pouvoir? Vous pouvez utiliser n'importe quelle carte de votre main comme s'il s'agissait d'un Colt. Ah, d'accord. Ah, donc il peut toujours attaquer. T'as un bang tout le temps, toi. T'as pas un bang en plus, hein? Non, c'est un bang tout le temps. Enfin. Alors, l'homme sans nom peut jouer un bang supplémentaire durant le tour. Ouh. Donc, du coup, on va. Aïe, aïe, ça pique ça. Alors, j'ai perdu ma planque, hein, bien évidemment, j'ai oublié de le dire. Bang. Bang. Aïe. Sur Taco Ramirez. Et puis, c'est à toi. Eh bien, ça fait mal ça, pouvoir jouer deux cartes bang. Pioche deux cartes. Hop là. Je vais pouvoir t'éliminer là. Ce qu'il faut, c'est que je te revienne sur ton Sundance Kid. Que je le termine. Donc, du coup. Je suis quand même un peu mal. Hein. Un petit peu, mais ouais. Ça va aller. Ça va aller. Il me faudrait une petite bière. Donc, Tavernier, Germain, une petite bière, s'il vous plaît. Je vais jouer deux cartes sur Toco. Donc, déjà, lui, il a un planque aussi maintenant. Peut-être que ça serait mieux que le tien. Les cartes, on peut les jouer que sur son personnage en réserve. C'est pour ça que j'ai mis le truc et après j'ai changé. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Comment va-t-on faire? J'espère que j'ai fait ça plutôt. Bon, c'est bon, je vais mettre sur le Sundance Kid alors. Ça marche quand même. Donc, j'ai le planque et j'ai aussi le lunette. Donc, le lunette me permet de cibler les personnages de réserve. Oh, purée! Ah! C'est bon, c'est à moi? C'est à toi. Il vient de s'équiper comme un malade. Ok. C'est génial, impec. Winchester, je peux cibler le personnage en réserve. Ah, donc tu cibles le personnage en réserve? Oui. Non, ça passe. Ça passe, poum, un point de vie. Ok. Ça, c'est plutôt bien. Mais est-ce qu'il a une deuxième carte? Et puis ensuite, je vais jouer une gourde, donc je recharge et je change. Ça devient ton personnage actif. Ok. Et puis, je vais jouer un Stetson sur Alan Pinkerton qui, du coup, permet de faire un raté. Ok, ça marche. À toi. Hop, hop. Oh. J'ai un peu chaud là. Trick-track Gulch, le climat ne me convient pas vraiment. Donc, je vais défausser d'une carte pour piocher deux. Ah, ça, c'est Sundance Kid. Et on garde une. Mais va mourir, quoi. Va mourir. Non, tu n'y arriveras pas. Tu as combien de cartes en main? Deux. Deux. Il y a une forte probabilité qu'il y ait un raté. Je préfère te le dire tout de suite. Ça, je défausse. Ouais. Je vais jouer un montre à gousset sur monsieur et je vais poignarder le homme sans nom. Les cartes marron ne peuvent pas être jouées sur le personnage en réserve de l'adversaire. Oui, mais c'est. Ah oui, c'est le. Ah oui, pardon. non, autant pour moi. C'est ça que tu l'attaques normalement. Raté. Ok. Ok, je pioche deux. Je vais jouer une diligence pour piocher trois et en garder deux. Ça y est, je commence à rentrer dans le. Oh la vache! Ou comment ça va manger grave. Ça, j'aime bien ça. Enfin, je défausse ça. Ok. Ah, c'est pas bon signe. Non, c'est pas bon signe. Je joue un Peacemaker. Pas planqué. Yes. Hop. Donc, ça dégage. Hop.
et tu pioches 2 cartes et tu révèles ton dernier personnage qui lui a 4 points de vie. À chaque fois qu'il est ciblé d'un banc, vous pouvez révéler une carte du paquet. Si tonneau. Ah, bah en fait, il a. Ah non. Il a une planque. Oui, c'est ça. Il a une planque. Ah oui, c'est vrai. Et le tireur, plus... ah, oui. Ah ouais, il vient. Oh la vache, et en plus, le tireur se prend une balle en retour. C'est un bon planque, ça. C'est pile poil ce dont j'avais besoin. La montre à gousset, c'est quoi? C'est chaque fois que tu déplaces ton marqueur, je pioche une carte. J'ai pas envie. Par contre, j'ai le droit de jouer un banc supplémentaire. Donc, je vais jouer ma gourde pour changer de place le tien. Ok. Piocher une carte. Mm-hmm. Et puis, je vais jouer une Winchester sur ton bonhomme. Je peux rien faire. Attends. Non. Ok, ça c'est bien. Ensuite, je vais jouer une Gatling. Donc, c'est un bang sur tous les personnages, sauf mon personnage actif. Bon, bah écoute, lui, il perd un. Ok. Ça, c'est rien faire. Lui, il révèle. Tonneau ! Oh la vache ! Donc, tu prends un bang. Manqué. Ok. Et puis, Alan Pinkerton, Stetson contre la Gatling. Ça marche. Et c'est à toi. J'ai plus de cartes en main. Je suis à poil, mais je t'ai quand même bien éliminé Taco Ramirez. T'es bien revenu, là. Donc, Bon, allez, on y croit. Je peux m'en sortir. Avec mon homme sans nom, là, à coup de double bang. Ouais, c'est vachement chaud, ça. Bon, je vais... Je vais mettre lui en personnage principal. Ok. Je vais coller une Stetson à monsieur, là. Taco Ramirez. Et je vais faire une fusil à Bisson sur l'homme sans nom. Sur l'homme sans nom, eh ben, boum, il se prend une balle, impeccable. C'est bon pour toi. Je pioche 2. Ah là 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 là. Ok, je... Ouh, c'est bon ça. Ouais, mais je ne vais pas pouvoir le faire dans ce sens-là. Si, je vais le faire. Alors, ouh là là, combo de tueur. Alors, mon personnage en réserve est Alan Pinkerton. Oui. Je joue une lunette sur lui. Ok. D'accord. Je change, donc tu pioches une carte. Puisque tu as, je sais plus que, c'est quoi qui te donnait ça? Ah oui, c'est ça, la montre à gousset. Ouais. Et là, c'est un petit peu chaud, je suis peut-être en train de faire le malin. Est-ce que je tire sur Taco Ramirez? Est-ce que tu as un bang? Non, je joue pas, à toi. Ok. Vu ce que j'ai en main, ça me paraît dangereux. Ça me paraît très dangereux. Tant pis pour les lunettes, je la défausse, c'est pas grave. Je joue une carte. Ok, dévoiler 2 cartes de chaque paquet. Donc, moi, j'en ai qu'une, donc il va falloir que je complète. Okay. Donc, toi, tu en dévoiles 2 aussi. Je mélange le paquet commun. Oui, sauf qu'il a fallu que je garde le magasin. Et les joueurs choisissent une carte à tour de rôle en commençant par moi. Ok. Ah ouais, d'accord. Le petit magasin. Donc ça fait 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est bon, ça. Je vais commencer par l'alcool fort. Ça fait quoi l'alcool fort? Choisissez n'importe quel personnage actif ou réserve. Il a 3 points de vie maintenant. Oh, ok. Tu prends le poignard, je prends le. Le colt et je te laisse le serpent. Du coup, le jeu n'est pas terminé. Tintintin. Parce que je vais jouer un petit coup d'alcool fort sur mon Pinkerton. D'accord. Qui repasse à 3 points de vie. Et ça tombe plutôt bien. Je t'ai encore pas tiré dessus, je crois. J'entame un duel avec toi. Donc, tu peux jouer une carte bang. Ok. Si tu n'en as pas, tu perds un point de vie. D'accord. Si tu en as une, c'est moi qui reprends la face. Il faut que j'en joue une. Okay. Si j'en ai pas, je perds un point de vie, etc. Duel. Ok. On se rapproche. Ok. On tire. Tu as un bang? Non. Donc, tu perds un point de vie. Mais toi, tu as un bang? Tu dois en jouer, non? Ça, c'est considéré comme le premier bang. D'accord. Bah, écoute, je vais faire mon défense. Ah oui, c'est vrai que tu es planqué. C'est pas bon. C'est pas un point. Ok, donc un point de vie et c'est à toi de jouer, tu pioches 2 cartes. Je suis passé à 2 doigts de la mort avec Pinkerton. Bon, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre
un centurion sur Taco. Ce qui me permet de jouer autant de cartes banques que je veux. Ah. Et son compétence fait que je peux utiliser n'importe quelle carte comme carte banque. Vache. Bon, le seul truc qui m'embête, c'est celui qui me retire dessus, c'est ça. C'est ça. Putain, c'est chiant ça. Bon, c'est pas grave. Donc, il faut du coup. Tu changes de personnage. Oui, donc je change de personnage. Ok. Je te tire dessus. Je perds un point de vie, tu es la cible d'un banque. J'esquive. Ok. Je te poignarde. J'aime pas. Tu es la cible d'un banque. J'esquive. Oh purée. Je te tire dessus. Je suis mort. Purée. Il est chiant, lui, quand même. C'est pas possible. Je pioche deux cartes. C'est pas possible. Est-ce que tu continues? Oh la vache, non. Comment tu viens de me plomber? Oh purée. Ceci dit, j'aurais pu éliminer les deux s'il n'y avait pas son compétence, c'est ça qui t'a sauvé. Oui. Sinon, ils seraient tous les deux passés. Alors, est-ce que tu as... Je vais jouer une carabine. Ok. Pan sur Taco Ramirez. Chapeau. Ok, donc j'enlève ton ceinturon. Ah bon? Comment oui. ça? Eh oui, parce que la carabine, si c'est esquivé, vous défaussez une carte équipement en jeu. C'est pas marrant. Salut le ceinturon. C'est pas marrant. Donc ça, c'était... Et ça tombe bien parce que j'ai le droit... J'ai le droit de jouer un deuxième bang. Bang. Esquive. Ah, ça m'énerve. Tu m'énerves. Et je vais jouer une planque puisque maintenant, je suis à la fois actif et en renfort puisque j'ai plus qu'un seul personnage. Et c'est à toi. Oh, je suis à 1 contre 2. Il a un point de vie de plus. Je vais jouer la gourde comme une bang. Tu joues comme un bang. Ouais. Je suis pas planqué derrière un tonneau. Ça marche. Je bouge. Ouais. Je te braque une carte de ta main. Je t'en prie. On fiche. Ok. C'est bon? À toi. Je sais exactement ce que tu as. Donc, donc je vais jouer sur le personnage en réserve. Non, en réserve. Mais pourquoi? Vous pouvez cibler le personnage en réserve de votre adversaire. Et t'as pas de banc, non, t'as pas de raté. J'ai rien. Ça y est, lui, il est mort. Bon, on se retrouve en 1 contre 1, tu pioches 2 cartes. Ouh. Ouh la vache, ça c'est du vrai duel, mon garçon. Ça c'est du vrai duel. Ensuite, je vais prendre une petite bière qui me permet de regagner un point de vie. Et ensuite, je joue à une Gatling qui te fait un bang dessus. Ok, bah je... Non. Non, un point de vie. Ok, à toi, je suis à poil. Stetson, ok. C'est du 3 contre 2, mon garçon. Ouais, c'est ça, du 3 contre 2, mon garçon. je te fais un bang. Boum, je prends... Attends. Oui, change de place. Je m'en fiche. Non, raté. J'encaisse. Et puis, c'est tout. Ok. Bon, soit tu pioches... Ah, c'est peut-être pas deux cartes bang, ça. Bon, je vais jouer une gourde pour piocher. Je recharge. Oh, je joue la diligence. 3 cartes, j'en garde 2. Allez. Ah, dis donc. On va la jouer. Je vais défausser le peacemaker. Oh, ça, c'est pas... C'est pas bon quand pour toi. Comment ça, défausser des peacemakers Je joue une coup de foudre pour prendre une carte qui est en jeu. Oh, bordel. Voilà. Ensuite, je joue un Colt. C'est pas tonneau. Et à toi. Oh, oh c'est chaud. Ah, j'avoue que c'est chaud. C'est chaud. Bon, c'est là où on voit qu'il y a aussi un petit peu de chance parce que tu pioches la bonne carte qu'il faut au bon moment, la diligence, le point de vie. Ah, et la vie dans l'Ouest, bon, c'est parfois un peu... Bon, je vais faire un magasin. Donc, 4 du paquet commun. 3. C'est toi qui commences. Oh, c'est pas bon ça. Ouais, ok, ben, je vais prendre le manqué. Ok. Je déconne. Je vais prendre l'Indien. Le Colt et le fusil. Ça marche. Et puis bien joué Germain pour avoir chopé les 4 cartes. Puis je vais faire un bang.
Est-ce que je l'esquive si c'est le... Bah non, je vais. Oui, je vais. Ah oui, mais si je l'esquive, il m'enlève ma planque. Ouais, je m'en fous. Je l'esquive. T'as le droit La planque d'enlever. saute aussi. La planque saute aussi. Bah, tu me diras, je suis naze, j'aurais dû tenter la planque. Bah tente la planque alors. Oui, non, trop tard. Mais en fait, si tu aurais esquivé, Tu peux je en t'aurais enlever enlevé le un. chapeau. Ben, oui, mais la planque, du coup, elle restait. Oui, c'est vrai. Voilà, C'est pas faux, j'avais c'est une vrai. chance. Mais bon, c'est pas grave. C'est bon? Oui, vas-y. Pioche deux cartes. Je pioche une carte dans ta main. Ah, oh, c'était pas celui-là. Enfin, tu me diras, Ouais, c'est tu me pas plus diras, tu mal, me là, c'est pas plus diras. mal. Je joue les Indiens. Il faut que tu joues un bang, sinon tu perds un point de vie. Ok. Fusil à bison. Ah! C'est pas tonneau. Oh oui! Oh oui, le shérif! Bien joué, C'est bien quand même les joué. gentils qui gagnent à la Ah fin. là là! Watcha! Chaud! Bang! Duel! Et hey, finalement, le petit coup des pouvoirs des Ah oui, personnages ça qui change tout, arrivent, qui hein. se Ça renouvellent, change tout, ouais. en sachant que là, vous en avez découvert 4 parmi les 12 des hors-la-loi et des bandits. Bang! Le duel! Ce qui permet de jouer maintenant avec une vraie règle à deux, parce que jusqu'à présent, c'était un petit peu boiteux, parce que le jeu, normalement, Bang se joue à beaucoup plus que ça. Là maintenant, Emilio Sciarra a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir jouer réellement. Emiliano, pardon, Sciarra a fait tout ce qu'il fait pour jouer à deux. C'était Bang le Duel avec la Trick Track Team. Merci Monsieur Jamie. Merci à toi. Merci à Germain pour la réalisation. Et puis, si vous voulez aussi vous retrouver dans l'Ouest à Trick Track Gulch, n'hésitez pas à venir tirer une balle ou deux ici. On vous attend.